Captain, officers, and crew of the Grand Manan Adventure welcome you aboard. The crossing time will be approximately 1.5 hours. Passengers are cautioned that regulations do not allow anyone to remain in their vehicles or on the vehicle deck during the passage. Also, pets are not allowed in the inside passenger areas. Parents are reminded they are responsible for the safety of their children. The Canada Shipping Act prohibits anyone carrying refuse of any kind aboard. For your safety, please take the time to read the safety instructions posted throughout the vessel concerning the location of the life-saving equipment. Life jackets and muster stations are located in the cafeteria forward and the lounge aft. In the event of an emergency, a signal consisting of 7 or more short blasts followed by a long blast will be given. On hearing the general emergency alarm signal, proceed directly to the nearest muster station and follow the instructions of crew members for donning life jackets boarding the survival craft. We hope you have a comfortable boarding place. Good day, then, ladies and gentlemen. Grand Manan Adventure, soyez les bienvenus à bord. La traversée prend environ une heure et demie. Nous avisons tous les passagers qui sont strictement interdits pour quiconque demeurer dans un véhicule ou sur le pont des véhicules durant la traversée. Interdit d'introduire les animaux de compagnie dans les zones intérieures du navire réservées aux passagers. Nous rappelons aux parents qu'ils sont responsables de la sécurité de leurs enfants. Selon la loi sur la marine marchande, il est défendu de jeter des ordures par-dessus bord en tout temps. Pour votre sécurité, veuillez prendre le temps de lire les consignes de sécurité affichées à différents endroits de le navire qui vous indiquent l'emplacement des vestes de sauvetage. Les vestes de sauvetage et les postes de rassemblement se trouvent dans la cafétéria à l'avant et dans le salon à l'arrière du navire. En cas d'urgence, nous émettrons un signal sonore qui consiste en 7 sons courts successifs, suivi d'un long son. Lorsque vous entendez un signal général d'alarme en cas d'urgence, veuillez vous rendre directement au poste de rassemblement et suivez la directive des membres de l'équipage pour